Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Bien des gens ont des notions erronées sur la vie et le caractère de Jésus. Ils le croient étranger à toute cordialité rayonnante. Ils se le représentent dur, austère, sans joie. Dans bon nombre de cas, ces idées incorrectes déteignent sur l'expérience religieuse tout entière. On entend parfois dire « Jésus pleurait souvent », mais on ne se sait pas qu'il ait jamais souri. Notre Sauveur était en effet un homme de douleur et habitué à la souffrance, car il ouvrait son cœur à tous les maux de l'humanité. Mais bien que sa vie fût faite de renoncements, de peines et de soucis, son esprit n'était pas abattu. Son visage ne portait pas l'empreinte du chagrin, mais la plus parfaite sérénité. Son cœur était une source de vie, et partout où il allait, il apportait avec lui le calme, la paix, la joie et le bonheur. Notre Sauveur était profondément sérieux, mais il n'était jamais taciturne et morose. La vie de ceux qui l'imitent aura un but bien arrêté. Ils auront un sentiment profond de leur responsabilité personnelle. La légèreté sera réprimée, toute hilarité bruyante, toute plaisanterie déplacée sera bannie. La religion de Jésus nous donne une paix qui coule comme un fleuve. Elle n'éteint pas la joie, ne restreint pas la bonne humeur, n'assombrit pas le visage radieux et souriant. Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir. Celui dans le cœur duquel son amour règne suivra son exemple. Si nous donnons la première place dans nos souvenirs aux injustices et aux actions peu aimables dont nous avons été victimes de la part de nos semblables, il nous sera impossible de les aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Mais si nos pensées s'arrêtent sur l'amour merveilleux et sur la compassion de Jésus à notre égard, nous en parlerons autour de nous. Nous devons nous aimer et nous respecter mutuellement malgré les fautes et les imperfections qu'on ne peut pas ne pas voir. Il faut cultiver l'humilité et la défiance du moi, ainsi qu'une tendre patience envers les faiblesses d'autrui. Cela extirpera tout égoïsme étroit et nous rendra magnanimes et généreux. Le psalmiste dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Confie-toi en l'Éternel. » Chaque jour nous apporte ses épreuves, ses soucis et ses perplexités. Et combien nous sommes enclins, quand nous rencontrons nos amis, à les entretenir de nos difficultés et nos épreuves. Nous traînons avec nous tant d'ennuis d'emprunt, nous exprimons tant de sujets de crainte, nous portons un tel poids de soucis et d'anxiété, que ceux qui nous entendent pourraient supposer que nous n'avons pas un Sauveur aimant et compatissant, prêt à entendre nos requêtes et à nous secourir au moment du besoin. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.